Que veut payer notre clash? Les valides à ce lot. Est le König des Königs. Il est le roi des rois, le Dieu tout-puissant. En tout cas, amen. Là, vous avez acclamé parce que le son c'est bon aujourd'hui. Vous n'avez pas acclamé pour le roi des rois. On va acclamer pour le Seigneur des Seigneurs. Je vais vous acheter à la croix. Et je m'arrête à celui des Indes. Je sais que vous êtes fatigué. Ah bah, dis-moi, tu as acheté quelle place. Mais ça n'a pas sa place aujourd'hui. Il me semble que tu dois. C'est pas le problème. On te compte que tu as. En fait, tu as beaucoup de problèmes. Smart et schwach. Ça te rend faible. Bis vor la Sorge, bis in Gedanken. Tu as beaucoup de soucis et beaucoup de pensées. Du wirst sogar, es wird dir sogar, es wird dich sogar hindern zu beten oder gute Taten zu tun, weil du bist nicht da, du bist in deiner eigenen Welt, in deinen Gedanken. Ça peut même t'empêcher de prier parce que tu n'es pas là, tu es vraiment dans ton monde. Aber plötzlich, mais d'un seul coup, siehst du die Person, die die Lösung hat. Tu vois celui qui a la peur, qui a la solution. Comment vas-tu réagir? Tu veux faire une action, tu veux aufstehen diese Person entgegengehen, oder? Tu vas plutôt te lever et aller vers cette personne. Du wirst deinen Mund öffnen und ihm dein Problem vorstellen, weil du weißt, er hat die Lösung. Et tu vas aller vers lui parce que tu sais que c'est lui qui a la solution. Oder? Ou bien? Oder willst du einfach da stehen bleiben und nichts tun? Bien, tu veux juste rester là comme ça sans rien faire. Andere würden sogar rennen. Il y en a qui vont même courir. Obwohl sie schon seit Jahren keinen Sport mehr gemacht haben. An dem Tag, wenn ich sprinten. Il y en a qui. Ja! Wir haben seit Jahren keinen Sprint mehr gemacht, aber an dem Tag, weil wir wissen, der hat die Lösung, er wird laufen. Il y en a qui n'ont même jamais sauté depuis longtemps et en ce jour-là, ils vont courir, ils vont même sauter, courir. Und ihr müsst wissen, der für uns die Lösung hat, ist hier. Et celui qui a la solution, il est là au milieu de nous. Der uns von diesen ganzen Sorgen befreien wird, er ist da. Celui qui nous a libéré de tous nos soucis, il est là. Der uns mit ihm wieder versöhnt hat, er ist da. Celui qui nous a reconcilié, il est là. Der einzige, der die Lösung hat für deine Sorgen, er ist da. Celui qui a la solution à tes difficultés, à tes problèmes, il est là. Und wie ist sein Name? Quel est son nom? Wir müssen ihn lernen zu lieben, zu loben. Nous devons apprendre à l'aimer, à le louer. Er ist viel größer als die Dinge, die wir leben können. Il est plus grand que toutes les choses que nous vivons. Singen das einmal noch. Il est plus grand que ce que l'on dit. Du bist größer als das, was man sagt. Wir singen manchmal wissen wir nicht, was wir singen. On chante ça souvent, mais quelquefois on ne se rend même pas compte de ce qu'on chante. Weil die Melodie klingt schön, singst du einfach. Aber die Wörter, die du singst, nimmst du die überhaupt wahr? Mais tout simplement parce que la mélodie est bien, mais les mots que nous sortons, est-ce que nous prenons ça vraiment? Es viel größer als Sorgen. Il est plus grand que nos soucis. Er hat sogar gesagt, was bringt es, wenn du dich drum sorgst, weil du wirst kein Zentimeter größer. Ja, mais pourquoi tu te plains même, tu es dans des soucis? Ça ne changera même pas, tu n'auras pas un centimètre de plus. Aber lobe ihn. Mais il faut le louer. Er hat gesagt, dass wir sollen die schlechte Situation über unsere gute Taten übersteigen. Nous devons laisser les mauvaises situations en dessous et surmonter. Voilà. Amen. Amen. Aber das muss jeder für sich selbst machen. Mais ça doit, chacun doit le faire. Amen. Amen. Wir werden kurz lesen in Matthäus 25, ab Vers 14. Nous allons lire à partir de Matthieu 25, verset 14. Seigneur, je te remercie pour ton amour, pour ta grâce, oui. Nous sommes là pour toi. Fortifie ton peuple, fortifie-nous. Change notre situation. Nous voulons combattre ta parole, nous voulons la vivre. Nous voulons te louer, t'adorer en esprit et en vérité. Tu as dit que nous sommes le sel de la terre. Et si ce sel, on a perdu sa saveur, c'est à rien. Nous voulons garder la saveur, nous voulons garder la constance. Nous voulons garder notre vie chrétienne jusqu'au bout. Tête haute, fier pour toi et vivre ta parole, merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Car il en sera comme d'un homme
qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Denn gleich wie ein Mensch, der aus dem Land reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Il donna à l'un 5 talents. Und einem gab er 5 Talente. À l'autre 2. Einem anderen 2. Au troisième 1. Einem anderen 1. Et à chacun selon sa capacité. Einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit. Et aussitôt après, il partit. Und alsbald reiste er außer Landes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. Der die 5 Talente empfangen hatte. Et le fit valoir. Ging aber hin und handelte mit denselben. Et gagna 5 autres talents. Und gewann andere 5 Talente. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna aussi 2 autres. Desgleichen auch, der die 2 empfangen hatte, auch er gewann andere 2. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un, alla et creusa dans la terre et cacha l'argent de son maître. Der aber das eine empfangen hatte, ging hin und grub in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Longtemps après, le maître de ce serviteur revint et leur fit rendre compte. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jene Knechte und hält Rechnung mit ihnen. Alors celui qui avait reçu les 5 talents vint et présenta 5 autres talents en disant. Und es trat herzu, der die 5 Talente empfangen hatte und brachte andere 5 Talente und sagte. Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres par-dessus. Herr, 5 Talente hast du mir übergeben, siehe, andere 5 Talente habe ich zu denselben gewonnen. Et son Seigneur lui dit, cela est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sous beaucoup, viens participer à la joie de ton Seigneur. Sein Herr sprach zu ihm, wohl, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Ensuite, celui qui avait reçu les 2 talents vint et dit, Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres par-dessus. Es trat aber auch herzu, der die 2 Talente empfangen hatte und sprach, Herr, 2 Talente hast du mir übergeben, siehe, andere 2 Talente habe ich zu denselben gewonnen. Et son Seigneur lui dit, cela est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sous beaucoup, viens prendre part à la joie de ton Seigneur. Sein Herr sprach zu ihm, wohl du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Mais celui qui n'avait reçu qu'un talent vint et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. C'est pourquoi, craignant de perdre ton talent, je suis allé le cacher dans la terre. Es trat aber auch herzu, der das eine Talente empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchte mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das eine. Voici ici ce qui t'appartient. Et son Seigneur répondit, lui dit, méchant et lâche serviteur, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, je l'aurai retiré avec l'intérêt. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, böse und faule Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. So solltest du nun mein Geld den Wechseln gegeben haben, und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents, car à celui qui en aura donné encore, il en sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien, on ôtera même celui qui l'a. Nehmet nun das Talent von ihm und gebet es dem, der sie 10 Talente hat, denn jedem, der da hat, wird gegeben werden und er wird Überfluss haben. Wo dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat,
fait que non. J'étais donc le serviteur inutile dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des crissements des dents. Und den unnutzen Knecht werfet hinaus in die äußere Finsternis. Da wird sein das Weinen und das Zähnenknirschen. Amen. Amen. Je crois qu'on connaît tous cette parole. Das kennen wir alle. Et on voit que le maître, il avait des esclaves. Wir sehen, dass der Meister Sklaven hatte. C'est ce qui m'a étonné, qu'il a donné l'héritage à ses esclaves. Er hat das Erbe an seine Knechte gegeben. Ce qui est un peu bizarre. Das ist komisch. Parce que normalement, on ne donne pas aux esclaves, on donne à ses enfants. Normalerweise gibt man also das Erbe an seine Kinder. Quelle grâce! Was für eine Gnade! Être esclave du Seigneur. Ein Knecht Gottes zu sein, ein Sklave Gottes zu sein. Il a donné à chacun des talents selon sa capacité. Er hat Talenten an jeden gegeben, nach ihrer Fähigkeit. Ça ne sert à rien de envier l'autre, parce que toi aussi tu as réussi sur ta capacité. Es bringt nicht, also den anderen irgendwie zu beneiden. Zu beneiden, genau. Du hast auch was bekommen. Il a dit que faut que je parte, parce que si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas, vrai ou faux? Er hat gesagt, ich muss gehen. Wenn ich nicht gehe, dann wird der Heilige Geist nicht kommen. Et le Saint-Esprit est venu sur tout le monde. Non, c'est tous ceux qui l'ont reçu ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Alle, die Jesus angenommen haben, haben den Heiligen Geist empfangen. Mais dit, chacun de nous a reçu sa part. Jeder hat sein bekommen. Il a dit que le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité. Der Heilige Geist wird uns in die ganze Wahrheit führen. D'autres ont eu les talents, on les a donné la capacité d'intercéder. Einige haben die Fähigkeit, also Fürbitte zu machen, bekommen. D'autres n'ont pas de belles voix forcément, mais ils reçoivent des chants. Einige haben nicht unbedingt also gute Stimmen, aber die empfangen schöne Lieder. D'autres, Dieu les a donné la capacité d'écrire des livres. Einige haben diese Fähigkeit bekommen, Bücher zu schreiben. D'enseigner, d'évangéliser. Zu lehren, zu evangelisieren. Chacun de nous a reçu. Jeder von uns hat was bekommen. Et tu le sais. Und du weißt es. Mais qu'est-ce que tu en fais de ce que tu as reçu? Aber was machst du damit? L'Allemagne a besoin qu'on change notre mentalité. Deutschland braucht, dass wir unsere Mentalität ändern. Regardez les personnes qui ont reçu. Celui qui avait reçu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Aussitôt, il est parti. Guck mal, die Leute, die das empfangen hatten, was haben sie gemacht? Die sind direkt gegangen. Aussitôt, ils ont reçu, il est parti. Die haben das bekommen, sofort sind sie gegangen. Il a travaillé dessus, il a gagné 5 d'autres. Die haben gearbeitet und dann haben sie 5 mehr bekommen. Et ça nous rappelle à quoi? Que allez et faites toutes les nations, mais disciples. Es ist doch, was das Wort sagt, geh und mach meine Jünger, mach die Nationen jünger. Et ça me rappelle aussi autre chose qu'il a dit, que la parole, la lumière n'est pas faite pour cacher, mais pour éclairer la chambre. Amen. Das erinnert mich auch noch, also dass das Licht ist nicht, damit wir das also verstecken, sondern dass es alles leuchtet. Moi, je bénis Dieu pour les visages qu'on voit régulièrement. Ich danke Gott also für die Gesichter, die wir öfter sehen. Mais qu'est-ce que, et moi, et vous, on fait de ce qu'on a reçu? Was machen wir, aber was machen wir von... was wir bekommen haben. On remplit le cahier. Qu'est-ce qu'on fait avec ces paroles-là? Wir füllen unsere Bücher oder unsere Hefte mit Lehren. Il y a d'autres que Dieu t'a parlé clairement, que va dans la rue évangéliser. C'est le talent que je t'ai donné. Einige haben sogar diese Fähigkeit von Gott bekommen, da rauszugehen und zu evangelisieren. Et tu l'as, tu te dis que, ah, mais est-ce que c'est... les Allemands là-bas me comprendre, je suis seul, qu'est-ce que les gens vont dire? Aber dann sage ich, ja, was werde ich denn tun? Also, wenn diese Deutschen mich überhaupt verstehen. Et tu oublies que le temps passe, le maître va revenir. Aber du vergisst, dass die Zeit vergeht und der Meister kommt wieder. Et s'il trouve que tu n'as pas utilisé, tu étais inutile, regarde le sort de la personne qui était inutile. Und wenn wieder kommt und sieht, also, dass du so ein unnützlich dich gemacht hast. Guck mal, also was mit den anderen passiert ist. Il y a d'autres qui reçoivent des chants, tu n'as pas forcément une belle voix. Mais qu'est-ce que tu en fais avec ces chants-là? Einige empfangen also Lieder. Du hast nicht unbedingt eine schöne Stimme, aber was machst du mit diesen Liedern? D'autres ont eu, ils ont ce goût-là, cette force de prière,
la prière pour intercéder pour les gens. Le Seigneur te réveille la nuit pour intercéder. Qu'est-ce que tu vas faire? Einige haben sogar diese Fähigkeit, also Fürbitte für die Leute zu machen. Die stehen sogar in der Nacht und können für die anderen beten. Was machst du damit? D'autres ont des relations faciles avec la jeunesse. Einige haben sogar diese leichte Fähigkeit, leicht einfache Kontakt zu Draht zu den Jungen. Qu'est-ce que tu en fais? Was machst du damit? On est là, on attend quoi? Chacun de nous a reçu. Wir warten. Worauf warten wir? Chacun de nous a travaillé pour le Seigneur. On est un corps, profond. Wir sind also ein Leib. C'est-à-dire que quand les pieds marchent, les bras aussi font son mouvement qu'il doit faire. Profond. Also, wenn die Füße laufen, die Hände machen auch was. Chaque partie du corps est utile. Jedes Teil von unserem Körper ist nützlich. C'est-à-dire si je vais arriver là-bas au mur pour toucher le mur, j'ai besoin des jambes, que les gens m'amènent là-bas pour pouvoir toucher. Zum Beispiel, wenn ich also diese Mauer anfassen will, meine Füße werden mich also zu dieser Mauer bringen. Mais que chacun reste dans sa position. Aber jeder soll in seine Position. Selon la capacité qu'il a reçue. Mit der Fähigkeit, gemäß der Fähigkeit Gottes. Et travaille. Und arbeitet. Parce que c'est pas seulement coucher avec une femme qui peut nous amener en enfer. Das ist nicht nur also mit einer Frau schlafen, die uns also in die Hölle bringen kann. Il a dit que vaut mieux l'obéissance que le sacrifice, d'offre. Besser ist es zu gehorchen, als Opfer zu bringen. Besser zu gehorchen. Oder gehorsam zu sein. Amen. Was bringt dir das, wenn du, wie wir jetzt, wir sind so viele Kilometer gefahren, aber wir sind nicht gehorsam, was bringt das? Qu'est-ce que ça nous donne, de faire die 10 Kilometer, ne sont pas grands, qu'est-ce que ça nous donne? Jeder von uns ist nützlich. Chaque personne ici est important. Und jeder soll aufstehen, da wo der Herr ihn positioniert hat, und arbeiten für das Himmelreich Gottes. Et chacun de nous doit se lever dans le domaine dans lequel le Seigneur l'a placé. Der Herr hat uns das Wort gegeben. Le Seigneur nous a donné sa parole. Er hat gesagt, dieses Wort soll sich nicht entfernen von deinem Mund, von deinem Herzen. Cette parole ne doit pas s'éloigner de notre bouche, ne doit pas s'éloigner de notre cœur. Wir sollen es studieren, Tag und Nacht. Nous devons l'étudier jour et nuit. Gebetet ohne zu unterlassen. Nous devons prier sans cesse. Das sind Dinge, die jeder von uns bekommen hat. Das sont les choses que chacun de nous ici a reçues. Was machen wir damit? Qu'est-ce que nous faisons? Wir sollen fürbitten für das Land, wo wir leben. Nous devons prier, intercéder pour le pays dans lequel nous sommes. Für die Leute, die uns führen in diesem Land, sollen wir beten. Pour les gens qui sont dans ce pays, nous devons prier pour eux. Was machen wir? Qu'est-ce que nous faisons? Wir wollen empfangen, wir haben doch schon bekommen. Nous voulons toujours recevoir, mais nous avons déjà reçu. Und andere Leute hat der Herr sogar ganz klar gesprochen, die wissen. Il y a des gens qui ont déjà reçu du Seigneur, et Dieu leur a parlé clairement. Aber was macht ihr damit? Qu'est-ce que nous faisons avec? Der Herr hat gesagt, er kommt mit der höchsten Geschwindigkeit. Nach Offenbarung 22. Le Seigneur dit qu'il revient à grande vitesse. Um jedem das zu geben, was verdient hat. Afin qu'il donne à chacun ce que chacun a gagné. Derjenige, der sich heiligt, soll sich weiter heiligen. Celui qui vit dans la sanctification se sanctifie encore. Und derjenige, der sich noch weiter ungehorsam sein möchte, der Sünde leben will, sein Problem. Et celui qui veut vivre dans le péché, qui continue de vivre dans le péché, sans problème. Aber jeder kriegt das, was verdient hat. Mais chacun recevra ce qu'il aura. Jeder kriegt sein Lohn. Chacun recevra son salaire. Deutschland steht auf. Allemagne, lève-toi. Deutschland, steh auf. Allemagne, lève-toi. Wir haben das Wort empfangen. Nous avons reçu la parole. Das wahre Evangelium. Nous avons reçu l'évangile pur. Nicht weil wir besser sind, aber durch Gottes Gnade. Nous avons reçu ça à travers la grâce de Dieu. Und was für eine Gnade, dass heute möchte, dass der Herr möchte, dass wir als Afrikaner die Nationen hier in Deutschland evangelisieren. Mais c'est une grâce que nous avons reçue en tant qu'Africains, que nous puissions évangéliser les nations. Ich sage das oft, wie stolz ist eine Person, die für Daimler, für Bosch arbeitet. Guck mal, wie stolz wir sein können. Je le dis souvent, comment quelqu'un est fier de travailler pour Bosch. Der ist glücklich, er hat ein sicheres Leben, il a abgesichert. Il a une vie assurée. Sein Gehalt kriegt er auch nicht wenig, er kriegt so, dass er sich auch wieder, dass er leben kann damit. Il reçoit toujours son salaire et il peut vivre avec. Aber Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Mais Dieu qui a créé le ciel et la terre. Dem alle Reichtümer dieser Welt gehört. Donc toutes les richesses appartiennent.
Wir aber der hat uns, wir waren entfernt von ihm, der hat den ersten Schritt zu uns gemacht. Nous étions complètement éloignés de nous, éloignés de lui, mais lui, il a fait le premier pas vers nous. Der hat uns mit ihm noch mal versöhnt. Il nous a reconcilié avec lui. Obwohl du das nicht unbedingt gedacht hast, du hast es gar nicht geplant an dem Tag. Pourtant, tu n'as même pas pensé à ça. Tu n'as même pas planifié ça. Aber er hat das durch deine Liebe getan. Mais il l'a fait par amour. Weil er einen Plan hat für dich und für mich. Parce qu'il a un plan pour toi et moi. Und für dieses Land. Et pour ce pays. Wie stolz müsstest du sein, für ihn zu arbeiten? Comment nous ne devons pas être fiers de travailler pour lui? Weil die Firmen können Krise, können untergehen. Parce que les entreprises peuvent tomber dans les crises. Aber er, niemals. Mais lui, jamais. Er ist derselbe gestern, heute und Ewigkeit. Il est le même hier. Und er verdient das Lob, können wir uns klatschen, dass er allmächtige Gott. Halleluja. Halleluja. Er möchte, dass wir abhängig von ihm werden. Il aime, il veut que nous soyons dépendants de lui. Das wollte er schon immer. Il a toujours voulu. Aber wir haben es oft falsch verstanden. Et nous avons toujours très mal compris. Deswegen erinnert er uns nochmal heute. Et c'est pourquoi il nous rappelle encore aujourd'hui. Jeder von uns hat ein Talent bekommen, ein Talent ist sogar bekommen. Chacun de nous a reçu un talent. Arbeite darauf. Vermehre es. Travaille dessus et multiplie-le. Arbeite für das Himmelreich Gottes. Travaille pour le Royaume des Cieux. Arbeite, da wirst du deinen richtigen Lohn bekommen. Hier werden uns Steuern abgezogen, aber da kriegst du brutto netto. Travaille, travaille. Parce que ici, on nous retire les impôts. Mais là-bas, c'est pas ça. Und noch mit einer Krone. On va recevoir une couronne. Und dann wirst du ihn sehen, der Himmel und Erde erschaffen hat. Et là, tu verras celui qui a créé le ciel et la terre. Du wirst sehen, wie der ist, endlich. Et tu le verras comme il est. Enfin. Ich weiß nicht, ob ihr verstanden habt. Ah, Jesus ist wunderbar. Ah, Jésus, il est trop bon. Der ist wunderbar. Il est trop bon. Keiner ist so wie er. Personne n'est comme lui. Wenn es nicht er wäre, wo wären wir heute? S'il n'était pas là, où est-ce qu'on serait aujourd'hui? Wo wären wir heute? Où est-ce qu'on serait? Vielleicht haben wir schon auch begraben. Aber durch seine Gnade. Durch seine Gnade hat er uns eingestellt, hat uns Gaben gegeben, die wir benutzen müssen. Sa grâce, il nous a sorti. Steh auf. Lève-toi. Steh auf. Lève-toi. Und arbeite. Et travaille. Wir sind weit entfernt, ja, aber wir sind eins im Geist. Nous sommes éloignés les uns les autres, mais nous sommes un en esprit. Arbeite für das Himmelreich Gottes. Travaille pour le royaume de Dieu. Und sei mir nicht faul, weil die Faulen werden leiden. Et si je suis faible ou paresseux, les paresseux vont souffrir. Die Leute, die immer Ausreden haben. Ceux qui ont toujours et toujours des prétextes. Ah, die Kinder. Ah, les enfants. Also willst du damit sagen, dass der Herr einen Fehler gemacht hat, die Kinder zu geben, gegeben donc, zu haben? Tu veux dire que donc Dieu a fait une erreur de te donner les enfants? Ah, là, die Arbeit. Oh, le travail. Je suis so müde. Je suis fatigué. Denkst du, er weiß nicht, dass du arbeitest? Tu penses qu'il ne sait pas que tu travailles? Also war es ein Fehler, dass er dir die Arbeit gegeben hat? Donc c'est comme si c'est une erreur qu'il a commis de te donner le travail? Stehen wir auf. Levons-nous. Seien wir stark für den Herrn. Seien fort pour le Seigneur. Er hat uns nie aufgegeben. Er hat es gar nicht nötig gehabt, weil er war Gott, er ist Gott und er bleibt Gott. Il ne nous a jamais abandonné. Er hätte gar nicht für uns kommen müssen. Il est toujours Dieu, il reste Dieu et il est venu. Il ne serait pas venu forcément pour nous. Il n'était pas obligé. Aber durch seine Liebe. Mais à travers son amour. Weil er uns schon immer geliebt hat. Bevor er sogar diese Welt gemacht hat, hat er uns geliebt. Parce qu'il nous a aimé avant même qu'il ait créé ce monde. Arbeiten wir diese, geben wir auch diese Liebe zurück. Travaillons pour le Seigneur. Remettons-lui, redonnons-lui cet amour. Die Zeit läuft. Le temps passe. Die Zeit läuft sehr schnell. Le temps va très vite. Bald ist Mai. Bientôt ce sera Mai. Und wenn wir es vielleicht nicht mal sehen, ist vielleicht schon 2019 vorbei. Et puis tout d'un coup, on va voir que 2019 est passé. Und wir machen jeden Tag einen Schritt zum Ende. Entweder den Tod oder wenn der Herr zurückkommt. Chaque jour, nous faisons des pas vers notre mort ou bien vers le retour du Seigneur. Was werden wir ihm sagen? Et qu'est-ce que nous dirons, Seigneur? Ah, nein, ich wusste nicht, deswegen habe ich meinen Talent begraben. Ah, je ne savais pas, voilà pourquoi j'ai caché mon talent. Ah, nein, ich hatte ein Business da, ich musste in Afrika gehen, meinen Container verkaufen. Was soll ich ihm sagen? Non, j'avais un Business ici, un Business à gauche, mais qu'est-ce que je lui dirais?
Er wird sagen, ja, ich war auch auf meinem Thron. Et il te dira, moi aussi j'étais sur mon trône. Aber ich habe alles aufgegeben für dich. Mais moi j'ai tout abandonné pour toi. Und deswegen möchte ich, dass du auch rausgehst und das Evangelium verkündest. C'est pourquoi je veux que tu sortes et que tu évangélises. Es gibt keine größere Liebe, dass man sein Leben für die anderen gibt. Il n'y a pas un plus grand amour de donner son amour pour donner sa vie pour les autres. Amen. Amen. Stehen wir auf. Levons-nous. Jeder in seiner Kapazität, was bekommen hat. Chacun avec ses capacités qu'il a reçues. Jeder ist nützlich. Chacun de nous est important. In einer Firma ist der Chef und auch die Putzfrau nützlich. Alle sind nützlich. Dans une entreprise, le chef et même celle qui fait le ménage sont tous importants. Und genauso im Leib Christi ist jeder nützlich. Et c'est comme ça que nous sommes tous importants. Wenn du es nicht wusstest, wenn du das nicht wusstest, si toi, tu ne sais pas, dann bist du erst informiert. Donc, tu n'es pas bien informé. Nein, dann bist du jetzt informiert. Maintenant, tu es bien informé. Dass du nützlich bist. Que tu es important. Also mach dich nützlich. Alors, comporte-toi comme quelqu'un d'important. Mach dich nützlich für das Himmelreich Gottes. Pour le royaume des cieux. Die Leute sterben hier. Les gens meurent ici. Die Leute sind in der Finsternis. Les gens sont dans les ténèbres. Die sind voller Probleme. Ils ont beaucoup de problèmes. Die versuchen Lösungen zu finden, links, rechts. Ils essaient de trouver des solutions à gauche, à droite. Die gehen sogar zu Wahrsager, alles Mögliche. Ils partent chez des voyants. Aber die wissen nicht, dass der Herr genau neben ihnen steht. Mais ils ne savent pas que le Seigneur est juste à côté d'eux. Es bin nur, dass du ihm sagst, guck mal, er ist da. Et tout c'est, voilà pourquoi il faut que toi tu dises qu'il est là à côté. Amen. Amen. Ich danke dem Herrn für diese Botschaft, die er uns gegeben hat. Je remercie le Seigneur pour cette parole qu'il nous a donnée. Seid gesegnet, Jésus Christus. Soyez bénis au nom de Jésus Christ. Amen.